ça y est, c'est fait. Victoire des Castonnettoises dans ce quart de finale. Vous êtes en demi. Le sentiment du coach? Match très éprouvant. On n'a pas réussi à jouer notre foot, mais on a eu une très grande compréhension entre nous, solidarité, état d'esprit impeccable, combatif comme jamais. Et voilà, au vu de la fin de la première mi-temps, à la pause, j'avais des doutes. On était dans le match, mais bon, on n'arrivait pas à jouer. Je savais qu'il fallait procéder par contre. On a réussi à le faire, même si on les laisse revenir à 2-1, on se met un peu le feu. Après, je ne peux rien leur reprocher au jour d'aujourd'hui. Eh bien, un bon match de coupe comme on les aime, avec de l'envie et de la passion et tout ce qu'on aime envers le château. Voilà, on félicite encore les filles pour leur prestation et à 11, on ne pensait pas vraiment s'en sortir comme ça. Match difficile avec le premier mi-temps compliqué physiquement. Et après, on s'est bien accroché et mentalement, on voulait déjà depuis plusieurs semaines, on était déjà en train de penser à ce match-là. Et je pense que c'est le groupe entier qui a gagné. Et à 11, je pense qu'on a été méritantes avec un public chaleureux et nombreux, ça fait plaisir. Côté championnat, ça marche aussi bien. Comment on analyse cette saison? C'est une très bonne saison, on va dire. Petit manque d'effectifs, en étant 16, c'est vrai que c'est difficile, on voit encore aujourd'hui. C'est un peu la cerise sur le gâteau ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui, nous, le championnat, c'était une des priorités, mais bon, la priorité majeure des filles, c'était de dépasser par rapport à la coupe. Après, on a un état d'esprit remarquable depuis le début de la saison. On arrive à imposer notre jeu sur certains matchs et d'autres, par contre, on passe complètement à côté. Mais le fait est que les résultats suivent et j'espère qu'on va vraiment garder cette place de leader jusqu'à la fin. Le championnat est déjà joué, donc comme on est sûr de monter, maintenant il faut qu'on vise le titre en essayant d'être vaincu. Il nous reste encore 3 matchs et j'espère que je fais confiance à mon groupe. Et je pense qu'on va sortir vaincu, de toute la saison. Et le championnat, il reste 3 matchs, on a envie de terminer aussi bien qu'on a commencé, c'est-à-dire en restant invaincu et en espérant accéder à la division supérieure, tout en restant invaincu. Et maintenant, on peut rêver d'un doublé coupe championnat? On va continuer à rêver, on y croit. Si on garde cet état d'esprit, s'il n'y a pas de raison, si les filles s'accrochent encore jusqu'au bout, on peut au moins, je pense, aller fouler la pelouse de Poulignan. Parce qu'elle a le potentiel pour le faire et on est confiant. Qu'est-ce qui a donné le petit plus cette année aux féminines pour parvenir à tout ça? Je sais pas, un peu plus d'envie peut-être, je sais pas du tout.